Le génie écologique et l'ingénierie écologique peuvent être questionnés du point de vue de l'économie sous différents angles. On a sur cette première diapositive une liste d'items qui renvoient à des enjeux économiques autour du génie écologique. Alors, Ces enjeux peuvent être tout d'abord abordés du point de vue de la science économique. En tant que discipline, elle amène à une manière de formuler les questions qui est différente de, des sciences du vivant. C'est aussi de poser les questions économiques à partir de l'analyse des secteurs d'activité. C'est souvent la première chose qui vient à l'esprit quand on aborde la question économique, ce sont les activités économiques à proprement parler. Mais une troisième manière d'aborder les choses, c'est de... de s'intéresser aux outils économiques de politique publique qui vont chercher à orienter en fait un investissement dans euh, le génie écologique euh, et à finalement stimuler hein, ce, ce type d'activité. Alors on va reprendre euh, un certain nombre de points à ce sujet. Alors tout d'abord, les liens qui existent entre euh, le génie civil et chimique, qui sont en fait les deux formes d'ingénierie euh, traditionnellement utilisées euh, dans notre système industriel. Et comment en fait euh, du génie écologique peut venir se substituer au génie civil et au génie chimique. Alors, plusieurs exemples hein, peuvent venir illustrer ce sujet. Tout d'abord, euh, l'aménagement euh, du territoire et en particulier des zones urbaines. En fait, euh, dans les zones urbaines, le génie civil a permis euh, depuis toujours de, de finalement construire des espaces dans lesquels on peut déployer des activités construire des réseaux euh, qui permettent de relier certaines zones du, euh, de ce territoire. Et euh, aujourd'hui, on constate qu'il y a un intérêt à végétaliser ces espaces, à leur donner des fonctionnalités écologiques qu'elles n'avaient pas auparavant, comme par exemple euh, atténuer le, le, les précipitations, enfin l'écoulement le, de l'eau suite à des précipitations abondantes, ou euh, offrir des îlots de fraîcheur en période de canicule. Donc, ça, c'est une nouvelle manière euh, d'envisager l'aménagement. Une autre euh, manière d'utiliser du génie écologique est de mobiliser euh, ces connaissances pour l'agriculture. En effet, dans le domaine de l'agriculture, avec l'augmentation de la production bio et de l'agroécologie, on a de plus en plus besoin de trouver des substituts aux produits chimiques de synthèse, euh, pesticides, herbicides. Et euh, les espèces auxiliaires, de ce point de vue-là, peuvent être un, un atout euh, très important pour les producteurs. Enfin, un troisième exemple est celui du traitement des eaux. Au traitement chimique euh, des eaux tel qu'il est envisagé de manière traditionnelle, on peut substituer un traitement euh, basé sur du génie écologique en mobilisant euh, des végétaux, en mobilisant euh, des micro-organismes du sol. Une deuxième manière d'aller dans le, le, le détail d'une du, du, analyse économique autour du génie écologique est de voir quelles sont les, les formes incitatives. Hein. L'économie s'intéresse à l'incitation à investir dans quelque chose. Et bien là, quelles sont les, les incitations à investir dans le génie écologique finalement Alors, on a euh, la réglementation qui reste aujourd'hui comme le, le principal facteur incitant à investir dans le génie écologique, hein, des entreprises qui ont des normes environnementales de plus en plus exigeantes, mais aussi le développement euh, d'un secteur à proprement, à proprement parler du génie écologique qui va venir offrir des services à euh, certaines entreprises qui ont des demandes pour ce type d'action. De, de, Alors on peut mentionner notamment toute la réglementation liée à la protection de la biodiversité, hein, comme les conventions internationales, la convention sur la diversité biologique ou le fait que l'État français, comme euh, les autres États ayant signé la Convention sur la diversité biologique, se sont engagés à restaurer 15% des terres dégradées d'ici à 2020. Euh, mais on a aussi euh, toutes les actions liées aux mesures compensatoires et qui nécessitent de mobiliser du génie écologique. Du côté euh, de la fiscalité, on a euh, des incitations qui sont moins évidentes euh, parce qu'on a un système fiscal, une histoire de la fiscalité qui n'est pas du tout orientée vers euh, un investissement dans euh, des composantes de la nature. Ainsi, euh, la fiscalité agricole n'a aujourd'hui pas encore véritablement euh, orienté euh, les investissements vers du génie écologique. Et, euh, on peut penser à la TVA qui, bien qu'elle ait augmenté pour les pesticides, et les herbicides, ces dernières années, euh, est, peut être récupéré par les agriculteurs et donc ne finalement ne s'impose qu'aux propriétaires de jardins privés ou aux collectivités ayant des jardins à, à traiter, mais pas euh, aux agriculteurs en tant que tels. Du côté des constructions, de la même manière, on a très peu d'éco-conditionnalité par rapport aux au bâti, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une fiscalité qui sera euh, incitative à avoir un étalement urbain limité ou une densification urbaine plus importante. Un autre enjeu autour euh, de l'économie quand elle s'intéresse à euh, la question du génie écologique, c'est de voir comment les actions de génie écologique vont générer plus de résilience dans les socio-écosystèmes. Hein, euh, les systèmes économiques et sociaux sont souvent très dépendants des écosystèmes dans lesquels ils s'inscrivent. Et comment cette résilience accrue va permettre d'augmenter la quantité de services écosystémiques à disposition pour la population, la population environnante, et finalement donc des bénéfices pour, euh, pour cette dernière. Un exemple euh, tout simple, hein, euh, c'est celui de la, des, de la prévalence des maladies euh, dans les populations qui ont ou qui n'ont pas accès à des espaces verts à proximité de chez eux. Et on voit que euh, en fait cette prévalence des maladies est très fortement influencé par la présence d'espaces verts, ce qui montre les services euh, écosystémiques essentiels pour la santé que fournit euh, la nature, et donc en quoi le génie écologique peut contribuer donc à, à améliorer l'état de santé des populations, indirectement. Un enjeu clair aussi dans le domaine de, de l'économie associée au génie écologique, c'est l'importance de ce secteur économique. On sait que les élus et les entreprises aiment à avoir des informations sur l'importance économique de ce secteur. Dans cette diapo, on voit par exemple aux États-Unis que le secteur de la restauration écologique et du génie écologique représente 125 000 emplois pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 10 milliards de dollars. On a euh, dans ce contexte euh, des indicateurs qui montrent l'importance économique de ce secteur. Et, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, le secteur du charbon aux États-Unis représente uniquement 80 000 emplois. Donc ça permet de vraiment évaluer où sont les, euh, les éléments créateurs d'emplois de, de, aujourd'hui euh, dans une économie donnée. A titre de comparaison, en France, il y a 1000 emplois recensés dans le domaine du génie écologique, ce qui montre encore les efforts qu'on peut réaliser dans notre pays sur ce secteur économique. Une autre manière dont on peut mobiliser l'économie, c'est euh, d'évaluer euh, comment euh, le génie écologique génère des coûts pour la société ou pour des entreprises. C'est important pour pouvoir prioriser les actions à mener, pour pouvoir évaluer le rapport coût-efficacité de différentes options. Alors on voit sur cette figure qu'il y a une forte variabilité des coûts selon les habitats qui sont ciblés, mais aussi évidemment, et c'est moins visible ici, sur les objectifs qui sont fixés à cette restauration écologique, à ce, aux actions de génie écologique finalement. Ce sera ces objectifs et l'ambition de ces objectifs qui définiront le euh, niveau de coût euh, des actions à mener. Finalement, la science économique, elle, doit pouvoir être mobilisée à différents niveaux pour pouvoir améliorer les diagnostics d'ensemble autour des systèmes qui mobilisent le génie écologique. Ça nécessite, par exemple, d'évaluer le, euh, le, le poids euh, de ce secteur d'activité, comment il est organisé, quels sont, par exemple, les verrous qu'il faut... Euh, Surmonter pour pouvoir améliorer euh, ce secteur d'activité. Ça peut aussi concerner l'évaluation, comme je le disais tout à l'heure, des services écosystémiques générés par les actions de génie écologique et les bénéfices pour la population. Ça peut enfin concerner les coûts hein, euh, qui sont associés à différentes actions autour du génie écologique. On peut espérer euh, à la fin que des diagnostics intégrés. Mobilisant à la fois l'écologie, l'économie pour avoir des actions en matière de génie écologique qui soient beaucoup plus efficaces par rapport à des contextes politiques, économiques, sociaux donnés, euh, vont émerger. Et cela nécessite pour cela d'avoir des diagnostics multi-échelles avec la mobilisation de différents outils selon les échelles privilégiées.